sûr. Putain, tu vois les mêmes là! Bah non, mais revenez! C'était pour déconner, c'est l'édition 2016, il est pas là, Denis Bouan! Bon, c'est vrai que le Mototour est un jeu qui se joue à quoi? 100 joueurs, mais aussi à plus de 200 km/h sur les petites routes de France. Avec des aventures, des rebondissements. Mais surtout, avec à la fin la victoire de Denis Bouan. 9 fois de suite, quand même. Un poil agaçant, énervant, voire même désespérant. Du coup, quand j'ai su que Bouan n'était pas là pour 2016, je me suis dit, le Mototour cette année, c'est pour moi. Vous me connaissez, j'ai fait simple. Un camion semi-remorque, celui de la structure Techmas BMW Motorrad France, pas plus de 5 mécaniciens, et une splendide BMW S1000 XR de 160 chevaux. Ainsi que quelques équipiers de choc pour m'aider dans ma mission. Sébastien Lagu, une pointure en rallye, sur une BMW S1000 R. Et Camille Edelin, pilote officiel Techmas BMW en endurance, ici sur le scooter C650 Sport. La concurrence n'allait pas voir le jour. Bon, au-delà du simple fait que j'allais gagner, le Mototour présentait une autre particularité cette année, la catégorie duo. 3500 km de liaison et 9 spéciales de rallye chronométrées à deux sur une moto, vous êtes sûrs les gars? Curieusement, les hommes étaient plutôt pour, enfin presque tous. Pour, ça protège. C'est une formule qui est bien, en bagnole, il y a bien un copilote. C'est une formule extraordinaire et ça permet de resserrer les couples. C'était très bien pour le spectacle. Ah, je trouve ça original et étonnant que ça puisse se faire dans le cadre d'une compétition quand même. Ça me tente pas, mais pour les autres, c'est bien. Contre. Vraiment idiot. Ça dangereux. Déjà, ils prennent déjà assez de risques tout seul et à deux, c'est n'importe quoi. Toi, tu refuses de monter derrière quelqu'un? Je refuse, ouais, complètement. C'est inconscient de remonter derrière quelqu'un, franchement. Oui, on en a parlé. Il veut pas. Tu te dis, ouais, je vais être en guide pendant une semaine et tu colles ta femme derrière. Non, mais faut être malade. Les couples s'affirmaient, eux, dans leur choix singulier. T'es amoureuse encore? Non, j'aime l'adrénaline. Elle durera moins ce soir. T'appelles l'hôpital? Ouais, de suite. D'accord. Ils sont prêts, c'est bon? Je pense qu'ils sont prêts. Vous gérez les engueulades bien? On s'engueule pas souvent. Marc Fontan, le chef de cette bande de fous, était radicalement pour. C'est un pari perdu, c'est un soir de biture, qu'est-ce qui vous a pris? Non, c'était faire voir que les motos, il y a plus de gens qu'on croise sur la route à deux que seul, entre guillemets, dans les balades, et puis que le mototour, c'est une aventure qui doit se partager, qui peut se partager, et qui est surtout faite pour les gens qui font de la moto. Alors, il y a des champions, il y a des moins champions, et on veut rassembler, unir tout le monde. En moto, tous les choix sont bons, hein. Pourvu qu'on s'éclate et qu'on pilote bien. Du coup, tout ça m'a tellement intrigué que j'ai décidé de me marier. Ah, je déconne. Ah bon ? Dans un élan de fair play, j'ai décidé de laisser la victoire de ce Mototour 2016 au deuxième, afin de découvrir cette toute nouvelle catégorie duo. Et j'ai décidé de recruter mon binôme par petite annonce. Non, pas vous. Pas toi non plus. Mon choix s'est porté sur Margot. Margot, 23 ans, avec sa sonnette porte-bonheur, travaille dans les espaces verts de sa commune. Ça peut toujours être utile de s'y connaître en ronces et orties en cas de sortie de route. À propos de sortie, c'est justement l'heure de la première spéciale. Et dans le Mont Faron, comme d'hab, devant ça n'amuse pas le terrain. Richier, Lagu, Lemos, Barnoin envoient du bois, du gros. Mais derrière, j'avoue avoir émis, comment dire, quelques doutes. Certains solos auraient franchement mérité d'avoir une passagère pour leur indiquer les virages dans les spéciales. D'autres avaient déjà du mal avec une sacoche de sel, alors imaginez le résultat sur une passagère.
Certaines épouses, compagnes, concubines ou maîtresses, allaient savoir, devaient assurément avoir eu connaissance des exceptionnels talents de pilotage de leur homme et avaient décidé, dans un éclair de lucidité, de rester bien au chaud, à la maison. Que dire du cas de ce solo qui, avec sa moto, a opté pour la méthode de se quitter pour mieux s'aimer? Disons qu'avec une passagère, les retrouvailles auraient été plus compliquées. Bref, des solos, moi, il y en a un paquet derrière qui je serais pas monté. Et globalement, moi aussi, j'ai commencé à douter du bien fondé de cette catégorie duo, jusqu'à justement voir passer les premiers duos. Fin, propre, concentré, harmonieux, en symbiose. C'est bien connu, à deux, on est toujours plus fort. Imaginez tout de même que lors de cette première journée, certains duos se sont carrément invités dans les 15 premiers, rattrapant au passage certains solos en spécial. Alors avec Margot, on s'était lancé, propre, coulé, 37e temps scratch sur plus de 100 concurrents, sans faire de vagues, histoire de faire connaissance tout en douceur. Walton niaisait sur ses résultats. Car après cette première journée de 180 km et 3 spéciales, nous attend avec Margot et dans la foulée la journée marathon. Non, je suis pas assistée, je suis juste empotée. Enfin, plutôt la nuit marathon. 900 km, départ dès ce soir 20h, arrivée prévue le lendemain à 18h. Ça fait envie, non? On a tous un peu les foies de se planter. Le gros avantage, c'est qu'à deux, on peut établir la stratégie du partage des tâches. On a décidé d'alterner à peu près toutes les deux heures. On va pas attendre d'être trop fatigué pour changer. Confiant, on a confiance dans la machine, on a confiance dans l'autre. On en saura plus pendant la nuit. Je pense que ça va attirer un peu plus cette nuit. Ouais, honnêtement, vous êtes gentils les duos, mais on veut pas tout savoir non plus sur votre vie de couple. Du coup, on se passera des images de nuit pour récupérer tout ce petit monde au matin de cette balade de 22 heures. Le mototour, c'est des potes qui roulent ensemble une semaine tout entière, sans jamais rien lâcher, pour arriver à l'heure, encore et toujours, au prochain contrôle horaire. Mais le mototour, c'est aussi la seule et unique course qui te fait parcourir un pays tout entier par les chemins de traverse les plus improbables, te faisant découvrir une France que tu croyais connaître. Les Cévennes, les Gorges du Tarn, le Puy-en-Velay, les Monts d'Auvergne, le Pas de Pérols. Devant de tels fragonards, en une fraction de seconde, tu oublies ta fatigue, ton épuisement et ton envie de jeter l'éponge. Et tu te souviens que c'est exactement ça qui te fait aimer le mototour. En duo, ce sentiment est encore plus fort puisque tu peux le partager. Il faut dire qu'en 22 heures, tu as le temps de la convaincre de la beauté et de la poésie de cette aventure moto. C'est la pause mal au cul. La pause, on en a marre. On en a marre. C'est fini là. Pendant un petit moment, je vais rester debout parce que j'ai les fesses, je les sens plus. On s'est tollé, on s'est ramassé, on a réparé. De quoi constater que dans la douleur, le masochisme n'est jamais très loin. Même après une belle chute, je dirais encore. Là, honnêtement, j'avoue que j'ai commencé à avoir du mal à comprendre les motivations des passagères, y compris de la mienne que j'ai un peu malmenée au petit matin. Pardon ? Je l'ai un peu mise par terre. J'ai rien. C'est moi, je suis impeccable. Je sais pas pourquoi t'as ce don pour tomber. T'es pas une fille, t'es un garçon. Tu sais ce qu'elle m'a dit quand on est tombé? Elle m'a dit c'est une aventure, c'est génial, j'ai bien fait de venir. Elle est dingue. La sonnette n'a rien. C'est bon. Chapeau les filles. Pour être super franc, j'en aurais pas supporté le quart de la moitié du tiers. Un peu perdu psychologiquement parlant, j'ai cherché à en savoir un peu plus sur les motivations des duos. Alors je vais te dire, absolument personne ne m'envie. Elle a pris une disposition administrative très importante. C'est laquelle? Elle a fait son testament. Il a cru que grâce à moi, elle allait pouvoir rouler moins vite. Ben même pas. Toi, tu faisais les liaisons et toi, tu devais faire les spéciales? Non, moi non. Je suis venue parce qu'il est trop vieux. Mécaniquement, je suis plus capable d'être devant. Le problème, c'est quand t'as l'autre qui te fait 5, 4, 3, 2, 1...
là t'as la case qui se fait vide et puis t'envoies la purée. Et là ça me fait une super bonne excuse pour pas viser les 10. À petite dose, la mauvaise foi est toujours signe de bonne santé mentale. Mais de là, juste après nous avoir fait ses confessions, à aller signer le 6e temps chrono dans la spéciale des Trempés du Buis, à deux sur une moto, faut quand même avoir un sacré pet au casque. Étienne et Isa ne rendront ainsi que 6 secondes au vainqueur, Sébastien Lagus sur sa BMW S-Miller, qui va d'ailleurs remporter toutes les spéciales de la journée. Et ainsi entamer sa remontée sur un Lionel Richier, pourtant hyper motivé pour rester aux commandes du classement. Derrière Richier et Lagus, Pierre Lemos occupe la 3e place devant Willems, Barnouin et Barbara Collet. Dans la superbe spéciale de la voûte, empruntée deux fois, mais cette fois-ci sous un soleil radieux, on aurait pu croire que les solos allaient humilier les duos les doigts dans le nez. Et c'est vrai que ça s'est lâché. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Et même à la folie. Ouais, bon, honnêtement, ma décision est prise. Moi, derrière Aloisi, je monterai jamais. Alors que j'aurais bien pris mon billet à bord de la moto de Grégory et Andrea, qui, dans un style unique, vont quand même signer le 8e temps. Voilà qui laisse songeurs les plus connaisseurs en bord de spécial. Ça roule, hein. Il faut avoir du cran. À essayer. À essayer. Mais pas derrière. Quant à nous, le style carrément décomplexé de ma passagère Margot, tête en avant au ras du bitume, va en étonner plus d'un. Ouais, j'avais pas vu, on restait pas. 26e temps scratch. Ça laisse quelques solos derrière.